content. Et oui, bien sûr qu'on dirige sans diriger, hein, Sébastien, parce qu'il faut le laisser aussi s'exprimer. Un film, de toute façon, c'est générique de fin. Et long, c'est qu'on laisse. Hein, pour moi, voilà, il faut laisser chacun mettre un coup de pinceau. Hein. Donc la musique, voilà, extraordinaire. En tout cas, moi, je suis très content. Après, ta deuxième question. Là, moi, ça me fait plaisir quand tu me parles de ce soit pas qu'un film social. Je suis ravi parce que, bien évidemment, on fait du cinéma. On est aussi là pour divertir les gens, pour leur faire passer un petit moment, un petit voyage avec le prix d'un ticket de cinéma. On a monté d'abord le message, les messages qu'on a voulu faire passer, encore une fois. Et pour moi, le message central, c'est la tolérance, c'est de vivre ensemble. C'est le plus important, mais on part carrément à l'opposé pour prendre les gens à contre-pied, les spectateurs. Et puis après, on met des ingrédients pour que ça devienne un film. Donc avec un twist à la fin, j'espère un petit peu d'humour burlesque, voilà, des petits trucs comme ça. Et donc, pour la dernière question que tu m'as posée, non, il y avait des flash forwards. Les flash forwards, c'est pour moi, c'est encore des ingrédients que tu mets dans un film. Et pour nous, ce qu'on a voulu faire passer, c'est le danger. Parce que c'est dangereux quand même de prendre en otage quoi que ce soit et une agence pour emploi. Et du coup, si on pousse les choses, on pourra en discuter un jour. Il y a une complicité dans ce film. Mais ce qui est important pour Adouane, c'est avant tout de faire passer ses messages. Et après, il y a une histoire de dignité. Voilà. Il a quitté sa nana parce qu'il ne pouvait pas l'assumer. Donc il y a toujours une part de dignité, en tout cas pour Adouane. Et du coup, eh ben, il se sent obligé de dire oui à Raymond, donc Carlo Brandt, qui joue son acolyte, d'accord. Et puis Max, aussi, qui est à l'extérieur. Donc on n'appuie pas trop, on laisse les spectateurs comprendre, imaginer certaines choses à la fin. On n'a pas voulu appuyer, parce que sur d'autres montages, on comprenait très facilement qui était complice. Et cette histoire d'argent, je vais juste te répondre par, je vais finir là-dessus. On voit un sac poubelle devant l'entrée de chez Anna. Mais l'argent est resté dans le sac poubelle. L'argent sale est resté dans le sac poubelle. Et on n'a pas filmé, elle est là en train de compter les billets, elle est toute contente. Donc on ne sait pas, c'est ton retour à toi. Moi, peut-être que si tu me demandes, peut-être qu'elle ne l'acceptera pas. C'est plus une histoire de fierté, de dignité. Voilà. Moi, je trouve que c'est super intéressant ton analyse, mais il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est que quand la quintessence d'un film, elle est sociale, ça ne le réduit pas. Ça ne le rend pas réducteur. Ce qui le réduit, c'est la façon de faire et sa qualité. Là, la qualité, elle est là. Si la quintessence d'un film, il est social, moi, ça me rappelle Un après-midi de chien, par exemple, avec Al Pacino, ou ce genre de film-là. Parce qu'on est au cinéma. C'est réducteur que si c'est mal fait, si on le fait pas bien, quoi. Mais là, c'est... Moi, quand on me dit que c'est un film social, ça ne me réduit rien. Moi, ce qui me réduit, c'est la qualité du film. Et c'est toujours un problème, parce que maintenant, ça fait des années que je fais des films, et j'entends toujours « Ah, mais il ne faut pas que ce soit réducteur. » Non, il y a des produits qui vont dans les supermarchés, et des produits qui vont au marché. Exact. Voilà, quand tu as envie de trucs au supermarché, tu vas au supermarché. J'ai rien contre ça. Mais quand tu as envie d'aller au marché, tu vas au marché. C'est là que tu vas trouver les trucs. Et c'est en ça qu'on classe les choses. Mais le fait que ce soit un film social, pour moi, au contraire, et plus on évolue, et plus cette société évolue, plus aujourd'hui on est regardé, surveillé, on sait tout ce qu'on fait, et plus le social aura un rôle important, et un impact fort pour notre futur.